ça donne bien l'idée de ces deux heures de film, oui. Je comprends qu'on ait envie d'aller le voir. Alors, Agnès. C'est un film avec des stars, Jean-Paul, dont vous n'êtes pas la moindre, parce que vous commencez quand même à avoir un beau nom dans le cinéma. Vous pouvez nous rappeler tous les films auxquels vous avez participé comme costumier ? Vous êtes costumier ? J'avais fait un avec Peter Greenaway, c'était The Cook, The Thief, enfin j'ai plus la mort. Le cuisinier, voilà, oui. Ouais. Compliqué à dire. Kika, ouais. Les costumes de Victoria Abril. Parlez plus près. Kika d'Almodovar avec Victoria Abril. Et puis j'avais fait aussi, La Cité des Enfants Perdus. Cici Impératrice, non, mais ça m'a beaucoup inspiré après pour les collections que j'ai faites. Et La Cité des Enfants Perdus, c'était déjà à Cannes il y a 2 ans, c'est ça ? Ouais. C'était il y a 2 ans, ouais, exactement. Ouais. Mais alors, c'est la première fois quand même qu'il fait 900 costumes. Ouais. Personne. Non, 900. Oui, ça fait énormément, ça fait beaucoup de travail. Ouais. Je m'étais demandé si c'était 900 costumes en préparation ou dans les faits 900 costumes, vous en avez préparé beaucoup plus ou... Non, c'est-à-dire en dessin peut-être plus, ouais. Mais par contre, après au résultat final, il y en avait peut-être 900. Enfin, disons que dedans, il y en a certains peut-être que j'ai mis, notamment pour la fête, certains qui étaient des anciens que j'avais fait. J'ai un petit peu triché. Alors, quand même, c'est vous qui avez quand même habillé Chris. Ah oui. Ben, c'était génial, parce qu'en fin de compte, avec le rôle qu'il a, ça c'était formidable, c'était peut-être le rôle avec lequel on pouvait le plus s'exprimer. Chris Tucker, on vous connaît, nous, très peu en France. Qu'est-ce que vous aviez fait avant ce film ? On va le connaître maintenant. Alors là, je peux dire ça. Dans ce film, tout le monde s'en souviendra. Chris, qu'est-ce que vous aviez fait avant ? Pour nous, Français. J'avais fait deux films aux États-Unis qui ont bien marché aux États-Unis, justement. Là, c'est mon premier film, disons, international, avec Luc Besson, mais j'avais fait deux films. Et puis, je suis un comique de scène aux États-Unis. Ah oui, ça explique. Quel genre d'acteur vous êtes ? Parce que vos films ne sont sortis qu'en vidéo chez nous. Un comique de scène, mais aussi un comique en général. Bon, j'essaie d'être marrant. C'est le dieu d'Onérique. Non, mais en fait, on appelle ça un stand-up actor. Ça veut dire quoi ? Voilà, on appelle ça le stand-up. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un peu ce que faisait mon copain tout à l'heure. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes dans un cabaret. Et là, moi, je vous vois devant moi. Je suis très étonnée parce que je ne vous reconnais pas du tout. Parce que dans le film, vous avez un rôle extrêmement particulier. Comment vous me décririez ce personnage du film, ce DJ animateur de radio ? Alors, évidemment, c'est Paul qui m'a tout maquillé, dessiné, refait. Mais enfin, c'est un personnage très flamboyant. Je me suis un peu inspiré de stars du cinéma, bon, et des chanteurs américains aussi, Prince par exemple, qui est un acteur, un chanteur très flamboyant, et puis Michael Jackson qui a beaucoup d'énergie. Bon, j'ai mélangé un peu tout ça, puis voilà le résultat. Comment vous faites quand vous dites à tout le monde de s'en aller, vous faites... Moi, je voulais savoir, quand vous avez appris que c'était Jean-Paul Gaultier qui allait vous habiller, vous n'étiez pas un petit peu inquiet ? D'habitude, il faut préciser qu'il habille les cacahuètes d'habitude. Hey, vous n'étiez pas. Non, mais vous n'avez pas eu peur qu'il vous habille en fille ? Peut-être un petit peu inquiet, mais enfin, il a fait des choses tellement super. Bon, j'ai vu ses défilés aux États-Unis de Gaultier, et c'était super. J'allais me dire, ça allait être vraiment génial. Quand on a travaillé ensemble, il a réussi à créer des choses absolument formidables. J'étais très heureux. Alors, Jean-Paul, on va regarder quand même. On va regarder le défilé de Jean-Paul, parce qu'il faut dire que dans le cinquième élément, il y a des monstres en plastique ou en fer, j'en sais rien moi. Et puis il y a plein de costumes. Donc vous, pas les monstres, mais tous les costumes. Non, je suis pas occupé des monstres. Et alors hier soir, il y avait de l'air là c'est le général, la serveuse McDonald's, et le voilà, lui. Alors il porte justement les costumes genre avec la panthère, ça c'est l'habit du méchant, c'est le méchant César, Gary Oldman, ça c'est marrant, ça c'est un monsieur qui est très musclé, ça c'est l'empereur et l'impératrice, voilà, si vous voulez, là c'est pendant la fête, là il y a la diva à un moment qui a sa suivante, Jean Clark. C'était cette nuit pour remonter les costumes, y compris ceux qui sont pas dans le film d'ailleurs, tellement vous en avez fait. Est-ce que Besson avait des idées très très précises qu'il vous a imposées sur l'univers ? C'est-à-dire que, bon, il connaît tellement bien son caractère, c'est-à-dire qu'il était déjà tellement dès le départ dans son film qu'il était très précis sur les directions, qu'est-ce qu'il voulait donner comme force au personnage. Par exemple, lui, je savais que déjà avec lui c'était vraiment grande liberté, parce que c'est quelqu'un d'extravagant, d'excentrique, d'extraordinaire, un petit peu comme une rockstar, un peu comme Prince peut être, mais encore plus extravagant. Uniquement pour faire un clin d'œil, comme Isabelle est sur les marches et qu'on attend l'équipe du film avec le producteur.
producteur ce soir, Luc Besson, producteur de Gary Oldman, ouais, le roi des méchants, ouais, ouais. Pour le film de Gary Oldman. Méchant, là, dans le... Mais là, je crois que Isabelle Giordano a déjà vu passer quelqu'un qui vous intéresse, parce que si vous, vous avez été essentiel pour tous les costumes, il y en a un autre qui, comme d'habitude, était là pour la musique, et c'est Eric Serra. Isabelle ? Oui, Philippe, ce soir, bien sûr, tout le monde attend le film, le premier film réalisé par Gary Oldman. Et je vous avoue, Philippe, que ce matin, la projection presse, ben, tous les journalistes ont été extrêmement bouleversés par ce film. On pourrait bien le retrouver au palmarès. Il concourt, bien sûr, pour la caméra d'or, puisque c'est un premier film. Il devrait séduire, peut-être, le cinéaste anglais Mike Leigh qui est dans le jury. Et ce film est un vrai symbole du renouveau du cinéma britannique. C'est une histoire qui est largement autobiographique. Ouais, mais ça on verra, Isabelle, on verra la bande tout à l'heure. On a un extrait. Hein. Mais, Si vous voulez, je peux vous montrer un petit peu ce qui se passait sur les marches tout à l'heure. Il y a Julie Delpy qui est arrivée très très belle. Julie Delpy qui est arrivée tout à l'heure pour voir ce film de Gary Oldman. Et on a vu aussi le père Di Falco qui est un vrai fan de cinéma. Il vient chaque année, il assiste à toutes les projections. Il joue dans quel film lui? Il joue dans aucun film, mais vous savez, la vie de Jésus. L'office catholique remet un prix chaque année. Ah, il n'est pas dans La vie de Jésus qui est pourtant en sélection à un certain regard. Et on a vu aussi Eric Serra qui est visiblement fan comme Luc Besson du film de Gary Oldman. Ah, le voilà Eric. Je vous retrouve dans un tout petit instant dès que l'équipe du film. Non mais arrive. Le voilà Eric, on le voit nous pour l'instant. Il est là, oui, hein, oui. Qui a encore fait une très belle musique, vous êtes d'accord Jean-Paul? Jean-Paul, vous êtes d'accord qu'Eric a fait encore une très belle musique? Oh, merveilleux, c'est très beau le mélange avec justement il y a la musique un peu du rail et tout, c'est vraiment très très bien. Comme on ne l'a pas reçu cette fois-ci parce qu'on le connaît bien, il y a ces deux, le simple et puis la bande complète. Alors moi je pense à vous parce qu'on vous a reçu il n'y a pas longtemps, vous venez de lancer la haute couture chez vous, ouais. Ça vous a coûté beaucoup d'argent. Et sur un film avec un tel budget... On en perd aussi. Mais ça doit être extraordinaire de pouvoir travailler avec autant d'argent, parce que ça doit être beaucoup plus facile. Ah, non, alors là, non justement, j'ai une petite critique à faire. Ouais. C'est que pour les costumes d'un film, le budget des costumes, c'est zéro. Si tout va dans les décors, ça c'est vrai. Combien faudrait temps que, vous... que les producteurs pensent un petit peu à ça. C'est vrai que les costumes... Combien de temps vous avez eu sur les costumes? Ben, c'est-à-dire que ça remonte à deux fois. C'est-à-dire que le projet, il y a eu une première fois, c'était genre il y a 6 ans. Mm-hmm. J'avais vu Luc et ça commençait avec certains acteurs qui d'ailleurs ne sont pas là à la fin au générique. Mm-hmm. Et après, donc le film a été interrompu, il a fait Léon entre autres. Et après, ça a recommencé. Donc la deuxième fois, c'était là il y a 3 ans maintenant. Donc j'ai eu à peu près 1 an et demi. Chris, c'est beaucoup. Chris, vous aviez déjà vu des films de Luc Besson avant? J'avais vu Le Grand Bleu, Le Professionnel et Nikita, qui avait très bien marché aux États-Unis. Mais ce film avec qui est immense, hein, jamais en France on avait fait de film aussi important. Ça vous a étonné qu'on puisse faire un film français avec aussi bien qu'à Hollywood? Parce que vous savez, bon, Luc Besson, c'est un géant international. Bien sûr, en France, je savais qu'il allait faire quelque chose de très bien. Mais c'est un film qui a énormément de caractère. Je savais que ça allait très bien se passer. C'est génial pour votre carrière d'être ici. On va vous voir partout. Oh yeah, oh yeah. Ah oui, être avec Jean-Paul, Luc Besson. Allez, un grand bravo pour Jean-Paul. Hey. Ouais. Bien, le voilà Luc, il est à l'image, il vous répond, vous allez voir, voilà l'équipe de Gary Oldman. Oui Philippe, voilà. En effet, on assiste en direct à l'arrivée de toute l'équipe du film. Vous allez découvrir Gary Oldman main dans la main pratiquement avec Luc Besson. Gary Oldman qui a eu du mal à monter sur son film, hein. c'est la raison pour laquelle il a fait appel à Luc Besson pour le produire, parce que c'est un film sans star, il y a beaucoup d'acteurs du théâtre anglais, c'est l'endroit d'où vient Gary Oldman, et beaucoup de noms professionnels dans ce film, mais les acteurs sont extraordinaires. Gary Oldman dit d'ailleurs que le tout jeune, là, on va le revoir dans un instant, le tout jeune qui est le héros du film, eh bien c'est le nouveau Al Pacino. Et c'est un film donc sur la dope, la dépendance, l'alcool, et ce matin à la conférence de presse, Gary Oldman parlait lui-même de sa propre cure de désintox. Voilà, c'est lui, le jeune acteur qui est extraordinaire dans ce film, qui s'intitule, je vous le rappelle, Ne pas avaler. L'explication du titre du film, eh bien, c'est à la fin du film, hein, je vous la dévoile pas. Les acteurs ne sont pas connus en France, parce que pour beaucoup, ce sont des acteurs anglais de théâtre, mais il faut dire qu'ils sont exceptionnels, hein, Isabelle. Ils sont exceptionnels et ils sont connus pour la plupart en Angleterre. Et c'est vrai que Gary Oldman, pour lui, c'est un peu une façon de faire autre chose. Il s'est un petit peu lassé de son métier d'acteur, puisqu'il interprète quand même souvent des rôles de méchants. On se rappelle de lui dans le rôle de Sid Vicious dans Sid and Nancy, c'était bien sûr Lee Oswald dans JFK, Dracula. Et il dit que bon, il s'est un petit peu lassé peut-être de ce genre de rôle et il a envie de montrer ce qu'il sait faire. Voilà Gary. C'est un vrai film, voilà. Gary Oldman. En très bonne compagnie d'ailleurs. Et c'est un vrai film de metteur en scène. C'est un film dont on va certainement beaucoup reparler.
Pour ceux qui nous regardent, eh bien, le film sort en France à l'automne. Vous l'avez vu, Jean-Paul? Elle est très belle. Enfin, j'ai pas vu le film, mais j'ai vu sa compagne, par contre, qui est très très belle. Hier, elle avait un décolleté et elle est enceinte. C'était joli, on voyait son petit ventre comme ça. C'est son côté couturier. Très, très belle. Regardez un petit extrait pour illustrer ce que vient de dire très justement Isabelle Giordano. Ça se passe donc dans la banlieue où a vécu vraiment, c'est un peu autobiographique pour Gary Oldman. Il voulait vraiment raconter ce qui est vraiment la banlieue londonienne. Et c'est l'ennui, disons, des jeunes ou des gens en général qui les poussent à la dope, qui les poussent à l'alcoolisme et à la violence. C'est un film d'ambiance, hein, assez terrible. Regardez une petite scène qui illustre bien entre la mère et le fils. Got a score. I don't go to fucking work so that you can spend it on your fucking mates. What have you done with the money I gave you? I've done that, haven't I? What? I'm fucking dear. Oh, look, don't fuck me about. Do you know how much money you've had out of me over the last year? It adds up to fucking thousands. Don't be stupid, thousands. How'd you work that out? Because you've got a £60 a day fucking habit and I've been supporting it like some cunt. Right, just lend me a turnabout. I haven't fucking got any money. You ain't got no, a tenner? I haven't got no the bollocks, you fucking money. Tight cunt! C'est vraiment un film qui prend au trip, hein, pour un premier film. Pour revenir au cinquième élément, Jean-Paul, moi je me disais, c'est toujours marrant d'imaginer dans votre métier ce qu'on pourra porter dans 200-300 ans. Vous aimeriez être couturier dans 300 ans et vous pensez que ça ressemble un peu à ce que vous avez fait dans... Pour être très honnête, j'en ai rien à faire. En vérité, je ne sais pas du tout ce que ça va être dans 300 ans, je ne sais absolument pas. Donc là, c'est une pure fiction comme ça. Ce sont les matières, ça reste assez classique. Bon, on ne sait pas ce qui se passera d'ici ce temps-là. Il y a tellement de choses qui vont changer, peut-être qu'on sera tout nu, peut-être que... Bon. En tout cas, avec le cinquième élément, c'est vrai qu'on s'en va dans le millénaire suivant. Et c'est vrai que les costumes de Jean-Paul Gaultier vous ont peut-être déjà étonné, mais ils vont encore vous surprendre. Et puis alors, il y en a eu un paquet extraordinaire, presque autant que d'effets spéciaux. Ferdi Falco, c'est super ce que tu lui as fait, t'as vu quoi. Il a monté les marches, il était à l'aise, bien. C'est ce que dressait le mieux, le classique, comme ça, sobre et distingué. Quant à Chris Tucker, eh bien, vous le découvrirez dans ce film, vous le découvrez sur ce plateau ce soir, mais j'espère que beaucoup de réalisateurs auront l'idée de faire appel à lui. Chris Tucker, Jean-Paul Gaultier, en attendant Bruce Willis et Mila Jovovich. Merci à vous, l'info tout de suite. Oui, Nicole, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on gagne, c'est que le travail soit bien fait et sans douleur. Il en reste un peu, là. Vous avez raison. Tenez, Nicole. C'est à Monsieur Sanchez, maintenant. Banco, 5 francs, sa banque illico. Il faut prendre ça plus à la légère. C'est très léger pour un crustacé. Merci. Badoit, l'eau qui fait durer le plaisir. Je crois qu'elle en pense pour moi. Entrer dans la collection Grand Cinéma de Warner Vidéo et MGM Vidéo demande beaucoup de talent. Tout le monde n'entre pas dans la collection Grand Cinéma. Mais maintenant, à 99 francs, tout le monde peut se l'offrir. I just wanna make love to you. L'album qui les fera grimper au mur avec RFM. Le CD-ROM officiel des 50 ans du Festival de Cannes. Le CD-ROM Festival de Cannes, 50 ans de cinéma, 295 francs, dans tous les magasins spécialisés et chez votre marchand de journaux. Fun Radio présente Alanis Morissette. And I'm here to remind you of the mess you left.
Alanis Morissette, son nouveau tube. It's not fair to deny me. Alanis Morissette, record historique. Regarde bien son visage, elle ne restera pas inconnue. Cette fille va devenir une star, puisqu'elle est déjà à toutes sortes de propositions d'Hollywood. Et quel effet ça fait sur les marches? StarTAC de Motorola, téléphone officiel des stars. L'essentiel de l'actualité de ce 8 mai avec Aude Morakini. On est le 8 mai, double jour férié de l'Ascension et de l'anniversaire de la victoire de la Seconde Guerre mondiale. Et en cette campagne législative, les hommes politiques n'ont pas voulu faire de trêve. Luc Herman. Il faisait plutôt frisquet ce matin devant l'Arc de Triomphe alors que Jacques Chirac présidait les traditionnelles cérémonies. Et pendant les fêtes, la campagne continue. C'est Alain Juppé qui a le premier lancé l'offensive. Il tente de mettre Lionel Jospin en difficulté en lui posant directement quatre questions précises. Comment financer le programme socialiste sans augmenter les impôts? Sans les lois Pasqua, comment éviter l'immigration clandestine? Puis si vous gouvernez avec les communistes, comment éviter une crise sur l'Europe? Enfin, Alain Juppé demande à Lionel Jospin de prendre position entre nationalisation et privatisation. Lionel Jospin, lui, est aujourd'hui en campagne dans sa circonscription en Haute-Garonne. Il doit sans doute plancher sur la tribune libre qu'il doit publier demain dans tous les journaux. Il a d'ores et déjà ironisé sur le programme RPR-UDF qui, pour lui, n'a pas décollé. Par ailleurs, le sondage du jour, l'écart droite-gauche est toujours serré. Ipsos pour Le Point donne une majorité d'un seul siège à la droite avec 290 sièges. Le PS et ses alliés obtiendraient 264 sièges. Le PC 22 est toujours un siège pour le FN. Chez nos voisins britanniques, l'une des premières mesures prises par Tony Blair risque d'être très populaire puisqu'il renonce à son augmentation de salaire programmée pour l'année, soit 400 000 francs quand même, et ses ministres seront mis au même régime. Une tragique loi des séries, trois incendies meurtriers dans des habitations, l'un près de Lille, l'autre en Seine-Saint-Denis, l'autre dans la Drôme, faisant en tout 7 morts. Dans la Drôme, ce sont 3 petits-enfants qui n'ont pu être sauvés. Sophie Bonnor. Les deux garçons avaient 2 et 4 ans, la petite fille 1 an. Tous les 3 sont morts asphyxiés pendant qu'ils dormaient tôt ce matin. Les parents n'ont pu que tenter de les sauver. L'escalier, j'ai pu monter, mais on n'a pas pu rentrer dans la chambre pour sauver les petits. On n'a pas pu. C'est trop tard, on n'a pas pu rentrer, impossible. L'incendie s'est déclaré dans la chambre de la petite fille, puis il s'est propagé à celle des garçons. La maison est une ancienne ferme restaurée près de Crest. La famille l'habitait depuis 1 an. L'installation électrique n'était, semble-t-il, pas conforme aux normes de sécurité. On était venu me poser un chauffe-eau, là. Et le monsieur qui me posait un chauffe-eau, il a regardé l'électricité. Ça sautait de partout. Il m'a dit, c'est pas conforme. Il n'y avait rien de conforme là-dedans, point de vue électricité. Ils ont tenu courant le propriétaire et jamais rien fait. Les pompiers ont indiqué que les parents allaient avoir un suivi psychologique. 2 autres incendies donc à Vambrechy, près de Lille. C'est le logement du gardien du château qui a été détruit. Sa petite fille de 10 ans est morte. 5 autres personnes de la famille ont été brûlées. On n'a pas encore d'explication sur cet incendie. Et puis dans un immeuble de la Courneuve, ce sont 3 adultes qui ont trouvé la mort dans l'incendie de leur appartement. Et puis loi des séries, décidément, puisqu'un incendie s'est aussi déclaré cet après-midi dans la cafétéria d'un supermarché de la Défense, près de Paris. 150 personnes ont été évacuées sans victimes. Au Zaïre, les combats se déroulent à 200 km de la capitale, Kinshasa. Pendant ce temps, le président Mobutu a quitté ce matin le pays pour une rencontre au Gabon avec des chefs d'État francophones. Anne Hirsch. Le maréchal Mobutu est arrivé ce matin à Libreville pour une sorte de réunion de famille, un mini-sommet des chefs d'État de la région. Ensemble, ils tentent de trouver une issue politique et négocier à la crise zaïroise une solution pacifique. Pour la journée à Paris, Bill Richardson, l'émissaire américain, pousse dans le même sens. Il parle aussi d'une nouvelle rencontre, Mobutu-Kabila, peut-être la semaine prochaine. En attendant, sur le terrain, il n'y a aucun signe d'accalmie. La ville de Kenge, notamment, à 200 km à l'est de Kinshasa, est toujours le théâtre de violents combats. Les informations sont contradictoires, les rebelles affirment avoir pris la ville, alors que selon une source diplomatique, ils seraient maintenant encerclés par les forces de l'armée zaïroise. Seule certitude, les pertes sont lourdes dans les deux camps, et surtout parmi la population civile. Le cauchemar également dans les camps de réfugiés. Hommes, femmes et enfants attendent dans des conditions misérables de pouvoir rentrer chez eux. 12 000 ont déjà été rapatriés au Rwanda, mais il reste 30 000 personnes dans le camp de Biaro, et encore environ 40 000 qui n'ont pas osé sortir de la forêt.
Un peu de sport maintenant avec du basket cet après-midi. C'était sur Canal+, en demi-finale retour du championnat de France. Limoges a battu Villeurbanne 89 à 76. Il va y avoir une belle alors. Oui, puisque à un match aller, ils avaient perdu. Oui. Donc il y a une belle samedi. On fait un petit résumé avec Emmanuel Brice. Villeurbanne, mardi dernier, était allé s'imposer à Limoges, 74-70. Cet après-midi, match retour de ses demi-finales. Et là, le scénario est différent. Les joueurs de Grégor Beugnot, malgré l'avantage du terrain, loupent totalement leur entrée en jeu. Et voilà Limoges qui mène 11-2. Georgie Adams ramènera son équipe à 2 points, 12-14. Seulement Limoges, qui évolue avec 4 extérieurs et 1 intérieur, joue vite et bien. À la mi-temps, les Villeurbannais comptent 15 points de retard, 46-31. De retour des vestiaires, Delaney Rudd, élu meilleur étranger de la saison, prend le match à son compte. Il inscrit 5 paniers de suite et réduit l'écart de 6 points. Limoges reste tout de même dans le match avec notamment Hugo Cancé. Ses stats parlent d'elles-mêmes. 26 points avec 83% de réussite, dont 4 sur 4 à 3 points. À 3 minutes de la fin, Villeurbanne a 11 points de retard. Limoges gère bien le jeu et remporte donc cette rencontre, 89 à 76. L'ASVEL devra donc retourner à Beaublanc pour un match d'appui samedi après-midi. Voilà pour l'essentiel, merci Aude. Et je sais que c'est pas facile hein, d'envoyer des images de Paris et de parler et de commenter d'ici. La météo, le temps tout de suite, Cécile. Cécile. En attendant dans un instant, Mila Jovovich qui lui fera de la concurrence aux côtés de Bruce Willis. Pour ça, je suis toute seule là, c'est bien. Alors, allez-y. J'en profite. Alors, l'animation satellite, nous serons toujours concernés par cette dépression. Fais-lui un compliment parce qu'elle a fait des efforts. Ah oui, non, c'est magnifique. Elle s'est déguisée en panier pique-nique, dis-lui un truc quand même. C'est il n'y a rien à l'intérieur. Mais c'est joli. Donc, toujours concernés par cette dépression centrée sur les îles britanniques, associée à cette dernière une perturbation actuellement sur la moitié ouest et qui se décalera vers l'est et le sud. Le matin, eh bien, couvert et pluvieux sur les frontières de l'Est, ainsi que sur le Midi-Pyrénées et le Rhône-Alpes. Sur un tiers nord, du temps variable avec averse. C'est immonde, vous voulez dire, demain matin. C'est pas très beau, non. Sur le reste du pays, alternance de nuages et d'éclaircies. Et l'après-midi? L'après-midi, ça s'arrange pas vraiment. Sur un quart nord, toujours un ciel variable avec des risques d'averse, comme sur le nord aquitain. Sauf ici, on va être égoïste, ici. Nous, on est un peu préservés. On a du soleil sur les Alpes-Maritimes et la Corse. Et sur le reste du pays, toujours variable. Oui. Les températures? Je ne sais pas s'ils ont bien compris qu'il devrait faire beau exceptionnellement ici demain. Oui, on est vraiment chanceux sur Cannes. Il faut y penser quand même. Et là, ça nous donnera 18. Donc de 10 à Nancy, à 20 à Montpellier, 12 à Paris, 12 à Genève et 18 à Cannes. Merci Cécile. Très excité par Bruce déjà. Hein. Ouh. Bruce Willis et Mila Jovovich. Mila Jovovich. Good evening. Bonsoir Bruce. De vous accueillir tous les deux ici ce soir, en plus pour un film dont vous savez sans doute déjà, Bruce, qu'il fait un triomphe en France, hein. Un triomphe, vraiment, comme on n'a pas vu depuis 10 ans. Des émeutes, déjà. Des émeutes à Paris, oui. On dirait l'ouverture d'un restaurant un peu. Donc apparemment, on a vraiment affaire à des stars ce soir, et la première question que j'avais envie de vous poser, Bruce Willis, c'est qu'est-ce que ça vous fait d'être assis à côté de l'être humain parfait? Tell me, how does it feel? Non, c'est très sympa. On a travaillé ensemble. Je l'ai embrassé hein, dans le film. On était tout nus ensemble. Enfin, si, si, et puis on faisait des tas de choses. Mais il y a eu des émeutes à Paris, c'est vrai, ces histoires d'émeutes? Oui, tellement il y a de monde pour Oui, non, c'est parce qu'ils adorent Luc Besson, c'est pour ça. Non, mais non, et vous aussi, tous les deux, oui, oui. Et vous, Mila, ça vous fait quoi d'être assis à côté du sauveur de l'humanité? Oui, en tout cas, mon monde à moi est maintenant beaucoup plus agréable.
Il m'a facilité le travail pendant le film. Very, very, very lucky. J'ai beaucoup, beaucoup de chance de jouer à côté d'une star pareille. Finalement, Bruce Willis, quand vous aviez tourné dans Pulp Fiction avec Tarantino, vous aviez dit que vous étiez très content d'enfin ne plus être ni un héros ni un sauveur de l'humanité. Et puis là, vous remettez ça. En fait, je me demande si c'est plus fort que vous, quoi. Puis on vous aime bien en héros. Il faut qu'il trouve un remplaçant. Moi, je cherche partout quelqu'un pour me remplacer dans ce rôle, mais enfin bon, il n'y a que moi pour sauver l'humanité, apparemment. Non, mais enfin. C'est une bonne chose. Non, mais heureusement qu'il y a Luc Besson, parce que c'est lui qui est le génie, c'est lui qui a sauvé l'humanité, pour moi en tout cas. En tout cas, la France. Hier soir, à la même heure, est-ce que vous étiez angoissé à l'idée de devoir monter les marches et puis de ne sachant pas quel serait l'accueil de la salle, Mila? Mais oui. Moi? Oh my goodness. Mais écoutez, je ne sais pas quoi dire. Oui, j'étais très angoissée, surtout parce que j'ai déchiré ma robe dans le dos, alors il a fallu que je marche comme ça. Oui. Mais votre robe, c'était... J'ai eu beaucoup de chance, en fait, parce que l'ami de Demi m'a raccommodé tout ça. Je ne suis pas couturier, mais c'est un grand mystère. Comment est-ce qu'on peut déchirer une robe comme ça? Il n'y avait que des trous. C'était très joli. Well, no, I didn't exactly non, enfin, en se grattant j'ai peut-être. Pas vraiment déchiré, c'est la robe qui est partie toute seule. Il y avait une scène d'explosion, attendez. C'était un peu embarrassant. Ouais. Écoutez, enfin, on va regarder votre folle journée d'hier et on va voir que vous étiez courageuse, étant donné que vous êtes très très froid. Regardez. C'était la fête. Oui. Hein. Il y a eu une très grande fête sur le port cette nuit. Alors j'ai réussi à rentrer dans cette fête, mais un peu tard apparemment. Et je rêverais de savoir si vous avez chanté hier soir dans cette fête. Parce que vous chantez très bien. Thank you very much, but j'ai pas chanté d'abord. Je suis resté jusqu'à 4 heures seulement. Après, j'étais un peu crevé. Et puis on m'a dit que la fête a continué jusqu'à 8 heures du mat, 8 heures et demie même. Bon, les flics sont venus à ce moment-là et puis on est parti. Bruce, vous avez toujours. Vous étiez là, moi je vous ai vu à 7 heures du matin. Mais moi j'avais moins mal à la tête ce matin que vous, Bruce. Oui, j'en suis sûr. Sinon, Bruce, tu es très câlin sur les marches. Hein. On se comprend à demi-mour, là. Moi, je suis très, très contente d'être à côté de Mila, parce que je me souviens, il y a quelques années, vous aviez 11 ou 12 ans, et peut-être que les gens se souviennent, vous étiez une des plus jolies mannequins que j'ai jamais vues, vous étiez une toute petite fille, vous étiez une sans doute des plus jeunes mannequins du monde. Et vous avez mis du temps, on vous a pas vu pendant longtemps, et là, vous revenez, c'est votre premier rôle au cinéma, on peut le dire, parce que le Lagon Bleu, c'était moins important. J'ai fait des... quand j'avais 16 ans quand même. Et puis après, pendant 3 ans, en fait, j'ai fait des tournées avec un groupe dans un car, en fait, partout aux États-Unis. Je faisais de la musique, je n'étais plus mannequin ni actrice. Ça m'a permis de me reposer un petit peu. C'est un bon retour. Bruce, comment est-ce que Luc Besson vous a convaincu de tourner dans son film? Il m'a mis un flingue au crâne et puis il a dit si je fais pas le film, eh bien, alors il y aura soit mon nom, soit ma cervelle sur le contrat. Non, je plaisante. Non, j'ai lu le scénario, c'était un super scénario et puis voilà, j'ai dit oui. Tout simple. C'est l'idée que vous faisiez du cinéma français avant.
Non, bon, il faut dire que j'aime beaucoup Luc, j'aime ses films, hein, et je trouve que ses films sont tous remarquables. Ils représentent d'ailleurs très bien l'esthétique cinématographique française, et j'avais longtemps voulu travailler avec lui. Non, c'était une décision très facile à prendre. En tout cas, on va voir votre rencontre dans le film, un tout petit extrait du cinquième élément pour ceux qui n'ont pas encore trouvé de place dans les salles. Envie, on regarde. C'est votre rencontre. Contrôle de police. Contrôle de police. Nous procédons à votre identification. Veuillez lever les bras et suivre nos instructions. Affiché. Elle a plongé. Mais d'accord, je sais que j'ai eu un accident à côté. Sur votre permis, d'accord. Attention ! Dégage ! J'y crois pas. Merde. Il y a des survivants ? Salut. Est-ce que ça va ? Il y a un mot d'explication à donner, c'est qu'ils étaient tous les deux morts de rire sur le plateau pendant qu'on regardait le film, à cause car ils viennent de découvrir le doublage. Oui. La voix française vous étonne beaucoup. D'accord. Eh ben, c'est merveilleux. Ah merde. Ah merde, on peut dire. Exactement ma voix. On peut dire merde. Dans 300 ans, il y aura toujours le permis à point. Hein. Oui, c'est très beau. Ça vous fait quoi d'avoir la tête de Luc Besson dans le film? Vous êtes coiffé pareil? C'est exprès, ça, ou... Oui, non, c'est tout à fait exprès. Luke has every man in his film. En tout cas, moi, j'ai trouvé une chose dans le film, c'est que votre rôle, Mila, il a l'air 100 fois plus athlétique que celui de Bruce, et c'est plutôt surprenant parce que c'est vous, la fille. Ça a dû être très dur pour préparer le rôle. Surtout à la fin. Elle a fait beaucoup de gym pour préparer le film. Oh là là. Et puis, elle s'est fait des bleus et elle s'est fait beaucoup de mal pendant le tournage. Mais elle l'a fait. Elle a vraiment sauté du haut du gratte-ciel. Hein. Ça fait environ 30 mètres qu'elle a tiré sur elle. J'ai travaillé dur, mais Luc a travaillé 20 fois plus dur. Donc alors, ça allait. Non seulement vous aviez un entraînement physique, mais en plus vous parlez une langue divine, absolument incompréhensible de tout le monde. Il y avait ça en plus à faire. Comment ça s'est passé? Well, I came on set and Luke gave me a dictionary. Luc m'a donné un dictionnaire et puis il m'a dit apprends. Alors il a fallu le faire. Voilà, c'est tout. On discute pas avec Luc quand il dit des choses comme ça. Oui. Bruce, est-ce qu'on s'amuse plus dans un film comme ça quand il est fantastique et quand il vous emmène à des années-lumière d'aujourd'hui? Est-ce qu'on s'amuse plus? Oui, bien sûr, on s'amuse beaucoup plus. On avait des gros joujoux chaque jour, on s'amusait avec des jouets géniaux. Puis bon, on faisait du taxi aéronautique. Oui, non, tout le monde, il n'y avait pas moi. C'était comme ça quand on descendait. Non, c'est incroyable. On s'est beaucoup amusé. Ça vous a donné envie de tourner avec d'autres réalisateurs français ou vous resterez Besson? Non, Jean-Luc Godard. Non, que Luc. Qu'est-ce que Luc apporte de plus à des films énormes comme celui-là par rapport à ce que vous avez déjà tourné? D'abord, il a vraiment une stylistique extraordinaire et puis il sait très bien mettre en scène le mystère, il sait très bien raconter les histoires, les intrigues, il ne vend pas la mèche avant la fin du film, il s'entoure d'une équipe extraordinaire de stylistes, et Jean-Paul Gaultier en l'occurrence, mais... Bon, toute l'équipe, enfin... C'est vraiment quelqu'un qui sait diriger les acteurs. C'est un véritable privilège de travailler avec quelqu'un qui fait attention à son script, qui est passionné par son travail et qui travaille véritablement à vos côtés. C'est votre premier festival de Cannes, Mila, ça va? Vous vous habituez bien? C'est pas trop dur?
Are you kidding me? Vous voulez plaisanter là? C'est incroyable, c'est le rêve. For an actress, pour une actrice, c'est l'infini. Mais hier, vous avez dû avoir froid en montant les marches. Please, my blood s'il vous plaît, so j'avais tellement d'adrénaline, je n'ai pas pensé au froid, pas une minute. Et puis ma robe qui se déchirait et tout le monde qui regardait. Oh non, j'étais en sueur. Et Bruce, remonter les marches à Cannes, ça vous rappelle un peu l'inauguration des planètes Hollywood? C'est un peu la même ambiance? Ah non, c'est beaucoup plus intéressant de monter les marches. Et puis, bon, il faut dire qu'il y a quelque chose de vraiment passionnant. J'étais déjà ici il y a quelques années avec Pulp Fiction, vous vous rappelez? Bon, non, c'est toujours quelque chose de passionnant, de très, très amusant, très, bon, très intéressant. Puis j'avais ma femme à mes côtés cette fois-ci, c'était quand même agréable. Et un autre avantage, il n'y a pas le vin de Depardieu aussi, ça joue sur les marches. Hey, joke. Minable. Est-ce que c'est vrai que vous allez tourner le prochain film d'après le roman de Forsythe qui s'appelle Chacal, Bruce? Oui. Et c'est vous qui allez... Oui, d'ailleurs, c'est bouclé. Je crois que le film va sortir quoi, en septembre. C'est un film qui, effectivement, s'appuyait sur un livre qui s'appelle le jour du chacal. C'est le jour du chacal. Yeah, voilà. Et ça n'est pas sur le général de Gaulle? Non. Pas sinon, vous seriez revenu en France. Ben oui. Tourner, ça aurait été pour notre plus grand plaisir. Ouais. Vous restez encore longtemps à Cannes et vous comptez voir beaucoup de films durant le festival ou vous allez vous reposer tranquille? Mon épouse va rester, mais moi je rentre à la maison voir les gamins. Il reste quelques jours. Et là vous êtes au camping, on m'a dit, non? À Mougins. Oui, dans une tente, j'ai une petite tente, effectivement. Small town called Hotel Cannes. Mais là, elle découvre un peu tout ce monde et tout, mais vous pour l'instant ça se passe bien, les photographes, la cohue. Vous vivez dans plutôt retiré quand vous êtes aux États-Unis. Yes, I do. C'est vrai. C'est vrai parce que ici il y a une ambiance assez marrante. Au moment, ça me fait rire tout ce truc-là. On peut pas y croire vraiment. On peut pas le prendre trop au sérieux. C'est de la rigolade. Et vous, comment vous... C'est pas mal. J'aime bien. Vous savez, je suis très midinette comme ça. Et puis nous, on est toujours heureux de vous recevoir sur ce plateau. Donc avec nous, il n'y a pas de problème. Écoutez. Je ne sais pas si vous avez peur habituellement de la foule ou du trop grand nombre de photographes, mais là, on va vous remercier et vous allez voir comment ils vont vous remercier. Et pour tous ceux qui vous regardent ce soir, et vous Mila Jovovich, qu'on a découvert dans ce film, et vous Bruce, qu'on a retrouvé avec bonne tellement chance, de plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous deux, Bruce Willis. Vous voyez que je ne mens pas, ils sont heureux pour vous. Merci beaucoup. Merci bien. Au revoir Mila. Et quand vous voulez, même à Paris. Maintenant, vous allez être remplacé par les marionnettes. Nous avons des marionnettes qui jouent au vrai. Il y a Stallone, mais il n'y a pas Willis. Et voilà. Dans un instant. Merci à vous. Good. How about the band? Let's cut the band. Cannes 97 avec carte noire. Et ta fille, toi, elle est où? Tu l'enfermes ou quoi? Mais non, elle attend l'EDF. Et comme l'EDF, quand ils disent qu'ils viennent, tient le temps de voir pousser les arbres, pendant ce temps-là, je suis sûr qu'elle va pas courir avec les garçons. Hein? Qu'est-ce que tu fais? On peut pas aller à la plage? Si. Faut juste que je sois rentrée à 3h pour l'EDF. Quand vous prenez rendez-vous avec l'EDF entre 15h et 17h, nous nous engageons à venir entre 15h et 17h. Ainsi, vous pouvez profiter de votre journée comme bon vous semble. Et ton grand, il fait quoi aujourd'hui? La plage. Ah. EDF, nous vous devons plus que la lumière. Hey!
choisissez vos couleurs. Énergie présente Michael Jackson en France. Occasion de la tournée. History, 30 tubes sur 2 CD pour le prix d'un. Il nous a appelé quand la dernière fois, Marc? Oh là là. Oh oui, au moins. Souvent, il raccroche à peine qu'il rappelle aussitôt. Marc, je vous dirai pas ce qu'il me raconte, mais je peux vous dire que ça dure longtemps. Vous avez deviné? Avec SFR, c'est simple. Marc a choisi le temps dont il avait envie. En plus, pour la fête des mères, SFR offre jusqu'à 200 francs de réduction par mois pendant 3 mois. Et vous, de quel forfait SFR avez-vous envie? SFR, le monde sans fil est à vous. Énergie présente, plus de hits reggae. C'est tous les tubes reggae. Inner Cycle, Jimmy Cliff. Plus de hits reggae avec les Fugees. Aswad. Dyna King. Plus de hits reggae, le meilleur du reggae. I could cross the sky to be with you. Now I realize my love is true. I need you. Life will never be the same. Don't fly away from me again. Les produits laitiers, des sensations pures. Au menu de cette dernière demi-heure en musique, Face No More tout à l'heure. Je savais que ça vous plairait. Les Foo Fighters, c'est pour demain soir. Mais ouais, oui, ne sifflez pas. Alors, en plus, ils sont vraiment sur les nerfs. Avec... Mais tout de suite. Non, Face No More tout à l'heure. Vandel, Mezrahi avec son festival du film amateur, bien entendu. Mais tout de suite, un comédien qui a tout pour être heureux en ce moment, c'est Richard Anconina. Car pour ceux qui ne le sauraient pas encore, la vérité si je mens, c'est un triomphe. Hein. Salut Richard. Asseyez-vous. Là, comme tu n'as pas encore fait Piège de cristal, tu ne peux pas encore te prendre pour Bruce Willis. Non. Mais... Toi, tu es arrivé avec une petite barque de pêcheur. Mais je suis garé là-bas, moi. Oui. Je me suis gouré. Et la vérité si je mens... Tu te doutais que ça pouvait faire un tel carton? Non, on ne peut jamais savoir que ça va plaire au public, ouais. ou que le film va rencontrer autant de gens aussi vite. Quoi. C'est vrai que moi, lorsque j'ai lu le scénario, j'ai été très, ouais, très surpris de la justesse du ton et ouais, du regard sur ces gens, et j'ai eu très envie de le faire. Et voilà, quoi. Mais là, le film a entamé sa deuxième semaine hier sur le même rythme que la première. Autant de monde, peut-être même plus encore hier que le premier mercredi, auront dit qu'on n'avait pas vu un tel succès pour une comédie française depuis pratiquement 5 ans. C'est vrai que c'est assez rare, mais je crois que la conjoncture est bonne. C'est vrai que 9 mois peut-être. Non, depuis, oui, bien plus que Pédale 12, plus que Didier, plus que Gazon Maudit, depuis 5 ans. Je crois qu'il y a eu un appel sur le film, il y a eu un désir, les gens ont bien apprécié le sujet, la promotion, la publicité. Je pense que l'ensemble des acteurs était plaisant pour les gens, et je pense que c'est un tout, c'est une alchimie, et je suis très content aujourd'hui. Est-ce que j'ai le droit de dire que Richard Anconina l'a échappé belle? Parce que le rôle d'Eddie, il t'était pas destiné? Au départ, non. C'est vrai que le metteur en scène, Thomas Gilou, avait absolument besoin de trouver un équilibre entre tous les acteurs. Ouais. Et c'est vrai qu'il avait pensé à des gens, je sais pas, différents. Et puis, lorsque j'ai lu le scénario, j'ai eu très envie de le faire. Il m'avait pas proposé ce rôle-là. Il m'avait proposé une petite participation. Et puis, participation, comment non, mais rôle, pas là. Alors on te le propose pas et tu le fais. Comment ça se passe? J'ai expliqué que j'aimais ce rôle et que si je devais faire quelque chose, ça serait celui-là. Et pourquoi tu aimais le rôle d'Eddie?
Parce qu'il n'y avait pas de chien déjà par rapport au dernier film. Non, parce que j'aimais, d'abord j'aimais le film énormément. Je trouve que le film et tous les acteurs sont géniaux dans le film. Je ne peux pas tous les citer, mais je trouve qu'ils sont formidables. Le sentier est génial aussi. Et je pense que la vedette du film, c'est le sentier. Je pense qu'on montre des gens très sympathiques et c'est un hommage à ces gens-là. Mais toi, tu connaissais le sentier avant? Je connaissais le sentier parce que j'ai habité pas loin du sentier. Oui. Et il n'y a pas eu la crainte, vous n'avez pas eu la crainte que ça passe pour une charge, une caricature? Alors qu'en fait c'est très émouvant. Je pense que c'est pas une caricature. C'est vrai que vous savez, quand Martin Scorsese décrit la communauté italo-américaine à New York, on n'est pas dans la caricature, c'est vrai, mais les gens sont un peu comme ça, extravertis, mais l'important c'est qu'ils soient très sympathiques et très, Pour le plaisir, on va regarder une rencontre très intéressante, parce qu'en même temps elle montre bien tout le problème d'Eddie, c'est-à-dire ton rôle dans le film, qui se fait passer, lui, le goy, hein, le pas juif, pour un juif, alors qu'il n'y connaît rien. Ouais, et il tombe sur le tailleur, Eddie Cacou, qui est une vraie découverte au cinéma. Formidable dans le film aussi. Regardez. Voilà. Enfilez ça, vous allez voir. Ah non, je vais pas mettre ça. Ah bah oui, là ça va avec. J'ai fait le même pour Patrick Bruel. Allez-y. Extra. Oh là là. Très très bien. Oh là, ça fait trop. Ça fait trop de carreaux là. Ah bah, c'est les tendances de cette année, c'est comme ça. Oui, mais il est trop petit quand même. Pour moi, il est beaucoup trop petit. Mais c'est vrai qu'il est un peu plus carré que Bruel, hein, ton copain. Je veux bien Bleu Marine. Bon ben, Karine, tu vas chercher un 54 ? En bleu marine, il y en a un derrière. Bien sûr. Attends, Karine, je vais aller avec toi. Hein? Ça va? Tip top, non, c'est bien. Ça fait bizarre le jeu. Impeccable. C'est comment votre nom déjà? Eddie. Eddie? Eddie Vuiber. Vuiber? Mais c'est pas séparade ça? Non. Ah, vous êtes ashkenaz, j'ai vu tout de suite. Non plus. Mais quoi, vous êtes pas juif? Ah si, pardon. Si, je suis juif, oui. Vous êtes ashkenaz, c'est bien ce que je disais. Voilà, non, mais c'est parce que j'ai pas compris. Oui, Weber, c'est Weber, c'est pareil, c'est la même chose, c'est comme Bansard. Oui, c'est pareil. Bansard, l'ophtalmo, vous connaissez? Non. Il s'est pris un nom de Pathos. Un nom de Pathos? De Cato. Il se fait faire jambon français, mais en réalité, il s'appelle Ben Saïd. Karine, ça vient, oui? C'est bon, je l'ai. Comme ça, vous êtes ashkenaz. Il n'y en a plus beaucoup ici maintenant, c'est les séfarades qui sont installés là. Hein, c'est pas grave. Ah bon. Ah. Encore une cravate à carreaux, il n'y a que des carreaux. C'est la mode. Mais pas de toit ou des trucs comme ça, c'est. Elle était excellente dans ce rôle. Excellent. Et il tire le film. Alors en plus, quand on y retrouve des gens comme Bruno Solo, comme José Garcia, comme Elbaz qu'on a reçu la semaine dernière, ça donne un vrai grand divertissement quand même. Je crois qu'il y a aussi ça. Hein. C'est le vrai bonheur de trouver un film d'action. Le film est très drôle, il est très fin, il dit des choses vraies, il dit des choses un petit peu sérieuses, un petit peu... Et après un tel succès, t'as pas peur que le cinéma essaye d'exploiter le filon du sentier et d'une façon peut-être moins fine? Oh, je pense pas, non. Parce que d'autres vont s'y mettre. Ouais. Oh, oui. En tout cas, bravo à Thomas Gilou. Tiens, on a tellement parlé de Michael Jackson aujourd'hui que vous allez voir cette fois-ci en vrai, ce sont les scoops du journal du cinéma tout de suite. Regardez. Ça me ferait plaisir si vous attendiez 5 minutes qu'on s'installe à l'hôtel et qu'on se mette cool. Là, ça prend la tête un peu, votre truc. Hein. C'était l'arrivée de Béatrice. Et avant, c'était le vrai Michael Jackson. On l'a tellement vu en guignol, il se ressemble en plus. Alors, Richard, je te présente Monsieur Vandel. Il est descendu à Cannes. Les petites nouvelles. Ouais, des petites nouvelles. Bonsoir, Richard. Pour tous ceux qui rêvent d'habiter, qui nous regardent, qui sont pas... Petite annonce de circonstance qui a été trouvée dans Logimo, c'est un journal de Nice, c'est un mensuel.
C'est à vendre pour 640 000 francs, donc 64 bâtons à Antibes. Antibes, on va l'avoir exceptionnel, un appartement au cœur d'un parking. Et c'est vrai que ça vaut quand même 64 bâtons. Hein. Pour tous ceux qui cherchent à se garer en ce moment à Cannes, surveiller leur bagnole la nuit, ils sont prêts à l'habiter au cœur du parking. Hein. Voilà, ça le fait. Et puis je vais parler... Il y a beaucoup de vent. Je vais faire un petit hommage à la vérité si je mens dont on vient voir un extrait. Je vais parler de look. Parce que Cannes, c'est la fête. Et pour que ça se passe bien dans les fêtes, il faut avoir le look. Voilà le look, par exemple. Alors, il est beau ce soir, hein, Baffy. Hein. Je me suis fait engueuler hier, là, j'ai mis le paquet. Oh la c'est vache, vrai. Qu'est-ce qu'il... Ah, il est beau, Baffy. J'ai trouvé... Pour une fois où tu n'avais pas piscine. J'ai trouvé un boulot de loufier à mi-temps, un coca, une bière. Alors, pour ceux qui n'ont pas la chance ou qui n'ont pas les moyens d'acheter le costard de Baffy, ils peuvent quand même avoir un bon look pour sortir grâce à cette offre parue dans la presse, c'était vers Lyon. C'est un type qui vend ça, vend ensemble Balavoine sur Seine, pour hommes 1m65, 60 kg, génial pour sortie, 1500 francs. Alors, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'il y a un type qui vend le costume de Balavoine sur Seine. Parce que je me suis dit, c'est une blague, on s'est renseigné, et c'est pas du tout une blague, ils vendent vraiment ça, le costume est toujours en vente. On a rencontré le propriétaire qui nous a fait la démonstration que c'était réellement un bon investissement. Regardez-le. Bonjour. Je m'appelle Bernard, je suis un fan depuis de nombreuses années de Daniel Balavoine. Je suis vraiment heureux de pouvoir vous en parler aujourd'hui, en particulier d'un album que je trouve extraordinaire, qui m'a frappé particulièrement. Il s'agit de Balavoine au Palais des Sports. Alors je vous le montre, c'est cet album-ci. Et j'avais été frappé particulièrement par cette prestance scénique de Daniel. Et j'ai été encore doublement frappé lorsque j'ai retourné cet album. Et au verso, j'ai découvert Daniel dans un habit particulièrement somptueux. J'ai craqué complètement. Je le trouvais tellement bien fait, original, et puis d'une grande classe. Enfin, j'en pouvais plus en regardant cet habit-là. Alors ce costume me plaisait tellement que je me le suis fait refaire. Regardez, c'est une copie conforme pour faire la fête. C'est vraiment super, le succès est assuré. Mais là, je dois m'en séparer aujourd'hui. Voilà. Les Spice Girls, avec leur album contenant tous les singles, tous leurs tubes, autrement dit, quoi. Phénomène de l'année, hein. Bon, pendant qu'ils applaudissent, je vous rappelle, rendez-vous demain 18h avec d'abord Ophélie Winter et puis ensuite Luc Besson. Et salut les guignols. Oh là 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 là. Quel bordel ce soir, hein. Bah, qu'est-ce que c'est que cette guitare? Bah, je révise, si Ferrara revient l'année prochaine, faut que je connaisse mes tablatures. Mais merde, fais chier. Comment on se casse de souk à la con, hein? Oh bah alors là, ce soir, hein, c'est eux qui picolent, c'est moi qui ai mal à la tête, hein. Les portes du pénitencier. Ah, le bordel, je vous dis. Bon, allez, à demain. Bientôt vont se refermer.